Go Entrepreneur, 48 heures de live avec 50 000 entrepreneurs. On me disait encore il y a quelques instants le, le nombre de milliers de connexions justement depuis le début de la matinée. Ça va durer donc deux jours. C'est passionnant. S'engager, entreprendre pour changer le monde et la société. Et si les jeunes avaient la clé Bonjour Didier Kling. Bonjour. Didier Kling, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, la CCI Paris-Île-de-France. Question toute simple hein, que je vous pose, Didier Kling. Pourquoi l'action la, des jeunes est importante dans cette après-crise C'est vrai qu'on se projette dans cette après-crise, dans ce contexte de reprise Déjà, il faut se projeter dans l'après-crise, oui. Il faut déjà, puisqu'on voit le bout du tunnel, et donc il faut déjà se situer dans cette position. Ensuite, les jeunes sont déterminants. Ils ont souffert comme tout le monde. Tout le monde a souffert de, de la crise. Les jeunes, peut-être plus que la moyenne. Parce que la jeunesse, c'est le dynamisme, c'est la mobilité, c'est la capacité de se rencontrer, de se retrouver. Et toutes les restrictions sont telles qu'aujourd'hui, ils ont sans doute été affectés davantage. D'ailleurs, on le voit bien dans les sondages, dans les enquêtes. Donc, c'est important que cette jeunesse puisse retrouver son, son plein dynamisme. Et elle va nous aider dans cette occasion pour nous situer d'ores et déjà dans l'après-crise. Elle le retrouve notamment à l'occasion de la création d'entreprise. Tant mieux justement, c'est pour ça qu'on est là Donc aujourd'hui à Go Entrepreneur avec, avec vous, partenaire justement, Didier Kling, mmh. de cet événement donc, national. S'engager, entreprendre pour le monde et la société. C'est une thématique qui est très forte, hein, d'ailleurs, dans les débats que je, je, je mène depuis le, le début de la matinée. Alors je ne sais pas si c'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est pas faire porter une responsabilité, allez, un petit peu lourde, trop lourde peut-être, sur les épaules des jeunes si c'est une lourde responsabilité, mais les jeunes sont capables d'assumer cette ouais. responsabilité. Ce qui est frappant, c'est qu'à l'occasion de la crise, la création d'entreprises s'est poursuivie. Les chiffres sont bons. Simplement, il y a une petite évolution. C'est que les projets sont davantage réfléchis. Il y a une plus grande maturité de la part des jeunes. Ils ont pris le temps de réfléchir un peu. Et puis, il y a une deuxième évolution qui est très forte, c'est créer une entreprise, c'est bien, et pourquoi Et donc, vous savez que la Chambre de commerce, on a beaucoup d'étudiants, on a 30 000 étudiants. On regarde de près ce qu'ils recherchent. Et aujourd'hui, on est frappé de voir qu'un grand nombre d'entre eux, ils ont deux axes, deux orientations qui sont très fortes. La première, on veut s'occuper du, du développement de la planète. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Et donc, ils le prennent en charge, ce sujet. Ils assument leurs responsabilités. Et puis, le deuxième, on a envie de créer une autre entreprise. On n'a pas envie de rentrer, donc ça pose de vrais problèmes pour les grandes entreprises qui existent. Oui, il y a cette envie, parce que je veux retrouver un espace de liberté, je veux retrouver mon autonomie et la création d'entreprises, c'est une manière en même temps de se réaliser pour un jeune. Voilà, finalement c'est très, très très positif euh, cette, ce contexte de crise qui a pu être dramatique, évidemment, pour les raisons qu'on qu connaît. Bah, quelque part, il y a cette envie d'entreprendre, et on le verra d'ailleurs tout à l'heure dans le sondage Opinionway euh, qui a été réalisé, notamment pour le, le MOVJ qui accompagne aussi des, des jeunes entrepreneurs. Quel message, vous, Didier Kling, le président de la CCI paris île de france vous souhaitez passer donc dans ce contexte Évidemment, je vais vous dire, si vous voulez créer votre entreprise, sachez que la Chambre de commerce est à votre côté, évidemment, pour, pour la création, pour l'accompagnement, on le fait. Et ce qui est frappant, par exemple, si on regarde dans certaines de nos écoles, je dirais même dans toutes nos écoles. La création d'entreprises est partout présente. Je vais donner un exemple. On a une école qui s'appelle La Fabrique, qui est dans le secteur de la mode et du design, qui, qui aide les jeunes à, à concevoir des vêtements et à les réaliser. Et ils ont euh, un projet qui est très simple, qui consiste à dire on va utiliser l'année pour créer un petit salon. Un événement de mode. Et donc, non seulement ils ont conçu des vêtements, en même temps ils ont fabriqué, et ça se termine par un défilé de mode dans les salons de la chambre de commerce à l'hôtel Potoki. Et on a profité pour associer. C'est pas l'endroit le plus moche de Paris. Hein. C'est un endroit qui est agréable <laughs> et qui oui, se prête tout à fait. Oui. Il était construit pour ça, c'est oui, évident. Oui, oui. Et en même temps, on en profite pour dire à une autre de nos écoles, qui est l'ICPA, l'école des parfums, prévoyez un parfum spécifique pour ce défilé de mode. Et puis, en même temps, on dit, il y a une autre de nos écoles qui s'appelle Ferrandi. Eh bien, on va terminer par un petit, un petit, un petit cocktail. cocktail. Ah bah alors, Sitôt qu'on peut se retrouver dans les cocktails. Et donc, il y a ces trois écoles qui, ensemble, participent à, à cette petite entreprise qui est créée à cette occasion. Donc, il faut Il y, il y, y a un, y a un écosystème, écosystème, comme écosystème comme ça, voilà, qui se crée, voilà, des synergies qui se créent. C'est génial. Et après ça, ce qu'on dit à ces jeunes, ben, si vous voulez créer votre entreprise, vous allez au bout du processus. On est là pour vous accompagner. On a, par exemple, euh, des pépinières d'entreprise. On est à l'Institut du Mentorat. Par exemple, parliez du Bouffier, l'Institut du monde ah On parlait avec Dominique Cristino tout à l'heure, bien sûr. Avec Dominique. Ah oui, et clairement, l'idée, c'est de dire une fois que vous avez créé l'entreprise, eh bien, vous avez un mentor qui est sélectionné par nous, qui est à vos côtés pour dire, surtout, le mentor, il prend pas de participation dans la société, il prend la distance suffisante, mais un professionnel un peu plus âgé qui a déjà ses expériences, qui a eu des échecs aussi, et ça permet de dialoguer, de dire, bien, tu avez tel ou tel problème, voilà mon expérience, vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais on peut dialoguer de manière à sortir de l'isolement. C'est souvent l'un des problèmes de créateurs d'entreprise. – Oui, c'est ça. Le, le contexte de, de reprise, euh, on vous sent souriant, mm. on vous voit, ça y est, il commence à avoir des, des signaux euh, agréables. C'est un bon contexte. Je mets le contexte sanitaire de côté, bien mm. entendu, là encore, qui a pu être euh, évidemment très très dur pour certains et certaines. On reste sur le contexte économique. Euh, c'est tout à l'heure Dominique Seux des Échos qui nous mm. disait. On est dans un contexte de reprise et d'activité micro, voilà. Ce sont les entreprises qui ont ça en main, et vous, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, par ile de france quelque part, bah vous voyez ça mieux que quiconque. – Ce qu'on voit dans nos capteurs, dans nos enquêtes, dans nos, nos informations qui remontent, vous savez, on a un centre d'appel, tous les jours, on a un nombre considérable d'appels, de chefs d'entreprise qui font part de leurs inquiétudes, de leurs angoisses et en même temps de, de leurs projets. Ce qu'on voit clairement, c'est qu'il y a de l'appétit aujourd'hui. Il y a de l'appétit de la part des chefs d'entreprise qui disent ça, ça fait un an qu'on n'a pas pu travailler normalement, on, on a encore trouver. Hein. il y a un appétit de la part des consommateurs que nous sommes. Il y a eu beaucoup d'épargne, donc il y a beaucoup d'argent qui, qui est destiné à circuler pour retrouver la vie tout simplement. Et si on regarde un peu dans l'histoire, si on regarde dans l'histoire lorsqu'il y a eu des crises très profondes, alors on va pas remonter à la grippe espagnole, mais ça s'est terminé comment après Par les années folles. Bah oui. Donc on, on est sans consomme, doute au départ. On notre inquiétude, c'est de dire, il faudrait pas que la consommation s'exerce uniquement le temps d'un week-end et qu'après ça, le soufflet retombe. Donc non, je pense qu'il y a une vraie ambition aujourd'hui. Il y a un vrai. On était mis de côté, on était marginalisé, on était un peu enfermé. Aujourd'hui, on a envie de vivre, tout simplement. Donc, c'est bien. C'est le printemps. Les terrasses sont sont, sont remplies. Les salles rouvrent aujourd'hui euh, 9 juin. Voilà, dans un protocole évidemment qu'il faut respecter. Qu'il faut respecter. Oui. Et, et, et les restaurateurs quelque part, bah, qui sont quelque part adhérents de la de, de, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. C'est un réveil aujourd'hui. Hein, on clairement. le voit même dans nos activités hum. aussi de salons et congrès. Hum. On voit bien les chiffres aujourd'hui. Ça repart très très fort. Le vrai démarrage sera en septembre, mais dès le mois de juin, vous avez déjà des manifestations et beaucoup d'inscrits et beaucoup de stands. Donc il y a cette envie de vivre aujourd'hui. On a été un peu confinés, sans utiliser le terme. Aujourd'hui, on a envie de totalement retrouver la liberté d'expression, la liberté de circuler, la liberté de se retrouver et puis aussi la liberté de voyager. Et c'est là justement aussi, bah, il y a du potentiel pour tous ces chefs d'entreprise, ces futurs chefs d'entreprise qui nous suivent aujourd'hui et demain. Go entrepreneurs justement, vous leur dites, il y a des opportunités inventées justement, des, des business qui justement bah, permettent de préparer l'après-crise. Effectivement, quand il y a une crise, on est tenté de dire, vous savez, le monde d'après sera pas comme le monde d'après. Oh non, ça c'était, bon, bon, ça a duré deux mois, ces, ces propos. Hein. Par contre, ce qui est vrai, ouais. c'est que la crise, ça accélère des mmh. évolutions. On voit bien, alors, c'est vrai, l'e-commerce, ça pose des problèmes pour le commerce physique, il faut s'adapter, on est là pour les aider à s'adapter. Mais on voit bien que les évolutions sont très fortes. Et donc, tout, tous les jeunes qui suivent ça de près, qui sont très à l'aise avec ces nouvelles technologies, eux, ils sont prêts à créer des start-up pour accompagner ce mouvement, l'accélérer. Et il n'y aura pas de vraie croissance s'il n'y a pas d'innovation technologique. Et on voit qu'on est une terre d'innovation. Donc, ça, c'est important de pouvoir libérer toutes ces énergies. Et, et tout à l'heure, c'était euh, Nicolas Hazard, le patron de INCO, qui nous disait que le bonheur est dans le village. Et que c'est vrai, quand on est président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, mmh. évidemment, on n'est pas juste sur Paris-Petite-Couronne, donc des zones très urbanisées, très bien équipées. Euh, finalement, il bah, y a le reste il y a l'Essonne, il y a la seine marne Il y a du potentiel, justement, pour aller créer dans ces zones. Allez, un petit peu, reculer, reculer, toute proportion gardée, attention, hein, qu'on me fasse pas dire ce que je ne veux pas dire, hein. Toute proportion gardée, mais il faut bien effectivement se répartir ouais. sur, sur les territoires. Donc il y a cette envie de créer. Il y a tous ceux qui, qui, qui aujourd'hui ont on réfléchi un peu plus qu'avant à ces projets. Ils ont envie de créer, ils ont des idées. Mmh. Il faut simplement les aider à les mettre en œuvre. C'est un peu notre rôle aussi, Chambre de commerce. Eh bien, qui viennent vous voir justement, parce qu'on est là, à Go Entrepreneur, pour accompagner eh bien, ceux et celles qui veulent créer leur entreprise. Et tout au long de l'année, ben voilà, vous êtes un soutien évidemment important, vous, la CCI Paris-Ile-de-France, que vous présidez, Didier Kling. Merci d'être venu donc Merci ce à matin à Go Entrepreneur. Voilà. Vous continuez de nous suivre à distance, bien Bien entendu, voilà pour l'instant, et comme le disait le président Didier Kling il y a un instant, eh bien... Voilà, tranquillement mais sûrement, les salons, les congrès vont reprendre, bien entendu. On sera nécessairement dans une autre configuration dans les prochains mois. En attendant, aujourd'hui et demain, on est du 100% digital, avec une possibilité évidemment de revoir les replays. Vous nous suivez, vous nous accompagnez sur les réseaux sociaux, bien entendu, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, bien entendu, le chat, pour poser vos questions également, eh bien ceux et celles qui passent sur le plateau vous répondront. Bien sûr, journée passionnante, journée enrichissante, journée revigorante donc pendant 48 heures. C'est ça Go Entrepreneur à suivre, les yeux dans les yeux avec Élise Golfarb et Julia Laiani qui seront aux côtés de Julia Lemarchand. A tout de suite.